Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc ce soir pour MT 180, ma thèse en 180 secondes. Pas une minute de plus, donc pour le coup, nous on commence avec quelques minutes de retard, à cause de la grève en l'occurrence. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours au niveau national, qui est donc coordonné par le CNRS et France Université. Et ce soir, mais vous allez assister à la sélection locale, la sélection de La Rochelle Université. Donc cette sélection elle est organisée par l'école doctorale Euclide, qui est donc l'école doctorale de notre université, et puis elle est soutenue financièrement par la MGN, par l'EDF et la CASDEN, donc, et j'en profite pour les remercier, puisque ça fait plusieurs années qu'ils sont à nos côtés pour cet événement. Alors, bien entendu, ma thèse en 180 secondes, ceux qui vont faire le show ce soir, ce sont nos doctorants et doctorantes. Et puis, donc, on va tout de suite les accueillir. Comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser avec leur nom, leur visage. Et puis, ils vont pouvoir mesurer l'ambiance qu'il y a dans la salle. Et donc, je vous demande de les applaudir. Et je vais les appeler un à un. Donc, en commençant par Mustapha Diallo. Mustapha, ils vont arriver. Hein. Ils sont là. Je vais les chercher. Hey, c'est vous, hein? Alors, on recommence. Mustapha Diallo, Julie Charrier, venez vous installer par là, Mohamed Sawadogo, Julien Delaunay, Yves Cartaillé, Zinedine Krib, Adrien Henry, Camille Schatz, Yann Meust, Manon Porta, Manon, Ibrahim Souleyman Mahmoud, Vicke Prumel, ah là il y a des supporters, Anaïs Danon, décalez-vous un petit peu, Soumia Boussala et Nour Eldine Afiouni. Alors vous avez vu, hein, ce soir, ils sont nombreux et nombreuses. On a 15 candidats donc, qui vont animer la soirée. Et donc, je vous parle de candidats, je vous parle de concours. Et donc, évidemment, il va y avoir un jury qui va donc évaluer les prestations. Et donc, on va les accueillir ensemble. Donc, Vincent Bernardo de la MGEN. Christine Bastard de la CASDEN. Tu peux t'installer directement. Tu peux vous installer. Philippe Chaderon, donc de l'EDF. Alors pour l'instant, il nous manque Patrice Raffarin qui est coincé dans les embouteillages de la grève. Donc on espère qu'il va arriver d'ici le début des présentations. Donc, je vais passer au suivant. Donc, Sébastien Pelletier, donc directeur de Valbiotis et président de la Fondation La Rochelle Université. Et puis, donc, Thomas Mankowski, qui est rédacteur en chef à Sud-Ouest. Et
Et donc, ils vont devoir bosser ce soir parce que vous avez vu, vous ne le saviez pas avant de dire oui, en fait, qu'ils étaient 15. Hein, ouais, il va y avoir du boulot. Voilà. Je vous laisse rejoindre les coulisses, comme ça, vous pouvez vous mettre dans votre bulle de concentration, puis on se revoit tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole maintenant à notre président, donc Jean-Marc Ogier, qui va donner un petit mot d'accueil donc, pour le démarrage de cette soirée. Jean-Marc. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Habituellement, j'ai l'habitude de devoir respecter la règle des 180 secondes, mais exceptionnellement, ce soir, je vais déroger à la règle parce que Christelle ne m'a pas donné d'instruction. Donc, tout d'abord, je vais me déclare très heureux de vous retrouver ce soir en tant que président de cette université, car c'est toujours un plaisir d'accueillir ce concours. Et merci Christelle, on voit l'engouement autour de cette édition de 2023 autour de MT 180. Bravo et merci à tous les candidats de se lancer dans le challenge. Et puis aussi, je suis ravi en tant qu'enseignant-chercheur, hein, bien sûr que je suis président d'université, je suis aussi enseignant-chercheur, car les travaux de MT 180 sont toujours de très grande qualité et donnent l'opportunité de communiquer auprès de tous de manière très simple ce que fait la recherche dans notre établissement. Exceptionnellement, j'ai un petit discours écrit, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. C'est parce que j'ai comme vous, été doctorant il y a maintenant quelques années. C'était le siècle dernier, voire même le millénaire dernier. Et la manifestation qui nous rassemble aujourd'hui me donne envie d'un petit retour en arrière en vous faisant partager un extrait de la thèse que j'avais écrite en 1994. Dont le titre était « Contribution à l'analyse automatique de documents cartographiques, interprétation de données cadastrales ». Je vais vous en lire quelques lignes et puis on fera une petite conclusion. Voilà quelques lignes. « D'autre part, nous disposons aujourd'hui de vecteurs d'indices pertinents permettant de catégoriser les régions d'une image en fonction de leur caractère déterministe ou aléatoire, d'une part, et de leur degré de finesse, d'autre part. » Jusqu'ici, tout va bien. Les outils de traitement permettant d'extraire ces indices reposent souvent sur des différents points tels que l'analyse de la matrice de co-occurrence, la fonction d'autocorrélation, la décomposition de Wald qui comporte trois champs, un champ aléatoire, déterministe et évanescent. Très souvent, pour résoudre ce type de problème, le concepteur de la chaîne s'appuie sur des heuristiques basées sur une bonne expertise des problèmes de reconnaissance de forme, influence du nombre de couches de perceptrons multicouches sur les frontières interclasses, ratio heuristique entre les tailles des vecteurs de paramètres et nombre d'échantillons des bases d'apprentissage pour faire face au problème de malédiction de la dimensionnalité. J'espère que la lecture de ces quelques lignes vous aura non seulement passionné, mais aussi éclairé sur les enjeux que ma thèse recouvrait à l'époque. Je suis persuadé que oui. Mais bon, je vous demandais à l'un d'entre vous de faire une petite synthèse de ce que je viens de vous raconter, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui seraient capables de répondre à ça, à part quelques informaticiens peut-être ? Bien, c'est normal, c'est tout à fait normal, car... excusez-moi, je ne sais pas Alzheimer, hein, vous inquiétez pas, ni Parkinson, c'est naturel depuis que je suis tout petit. À part quelques éventuels experts en informatique, et j'ai vu qu'il y en avait certains dans la salle au deuxième rang tout à l'heure, qui pourraient se retrouver dans cette salle, j'imagine que vous n'avez pas compris grand-chose à ce que je viens de raconter. Et si, vous pouvez ne le nier pas, je suis même certain de ne pas avoir tout à fait compris ce que je viens de vous dire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait l'effort nécessaire de vulgarisation qui permet de rendre la science accessible au plus grand nombre. Rabelais écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », pour souligner que la science doit être régie par l'éthique pour éviter les débordements. On pourrait aussi ajouter que la science sans partage reste obscure et vaine quand on poursuit l'ambition d'expliquer, de faire comprendre, de convaincre. Alors, comment faire pour favoriser la vulgarisation scientifique ? Eh bien, parfois, il suffit de prendre une douche. Je ne sais pas si le fait de se rincer la tête permet de rafraîchir les idées, mais c'est en tout cas en voyant le sablier chronométrant son temps de douche limité à 3 minutes qu'est née l'idée de ma thèse en 180 secondes. Je ne sais pas si vous le saviez ça. C'est né dans le cerveau d'un doyen de la Graduate School de Queensland en Australie. En effet, cet état australien il souffrait d'une grave sécheresse à l'époque. Et pour économiser l'eau, les habitants étaient encouragés à chronométrer leur douche. Et beaucoup de gens avaient un sablier de 3 minutes fixé au mur de leur salle de bain. Le doyen a fait le rapprochement avec l'idée du MT, du concours 3MT qui est né en 2008. Le concours a ensuite essaimé, est arrivé en France, d'abord au Canada, puis ensuite en France, avec l'Université de Lorraine qui a repris l'initiative. Et puis c'est devenu une terre d'accueil pour notre territoire français. Par l'exercice qu'il constitue, le concours de savoir de ce soir sert à cette vulgarisation que j'appelle de mes voeux.
Elle permet de rapprocher la science et les citoyens. Les 3 minutes obligent à la synthèse et au choix précis des mots pour être capable de dégager la substantifique moelle d'une thèse de 200 pages suivant les cas. Vulgariser, c'est être accessible. C'est ainsi susciter la curiosité. C'est mettre en appétit. Face à l'ignorance, face aux idées reçues, face aux stéréotypes, face aux fake news, le besoin de faire comprendre est de plus en plus important. Je pourrais même dire gargantuesque si je voulais reprendre le lexical de Rabelais. Les jeunes de ce soir sont les jeunes, c'est les chercheurs et les chercheuses de demain, ceux qui auront cette tâche d'expliquer la science pour contribuer à sa compréhension collective. C'est une mission d'autant plus essentielle qu'il va nous falloir trouver des solutions face aux grandes transitions de notre siècle, et Dieu sait si on est confronté à ces grandes transitions actuellement. La société et ses décideurs publics, et je salue leur présence aujourd'hui, ont et auront besoin de la science pour conduire leur politique publique, et on sait à quel point notre université peut jouer un rôle déterminant dans la conduite des politiques publiques. Avant de laisser la place aux doctorants et aux doctorantes qui vont s'affronter pour une place régionale puis au niveau national, tel que Christiane vient de l'évoquer, je souhaite bien sûr remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Christelle, chef d'orchestre, la MDE qui nous accueille aujourd'hui, l'école doctorale, tous les acteurs, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, parce qu'on sait que les coachs de nos étudiants, il ne faut pas oublier les coachs qui accompagnent les étudiants au quotidien pour la préparation de cet événement. Sans tout cet écosystème, je crois qu'on n'arriverait pas à avoir un événement de cette qualité. Et puis, vous me permettrez aussi d'adresser ces derniers mots de cette petite allocution aux jeunes qui vont passer sur scène en leur conseillant de faire l'inverse de ce que j'ai pu faire en début de discours, c'est-à-dire d'être le plus simple possible. Merci à toutes et à tous et bonne chance à tous ces jeunes, et j'espère que certains d'entre eux pourront aller très loin dans le concours national. Bien. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Donc vous verrez que Jean-Marc a un petit peu spoilé la suite de ma présentation, mais c'est pas grave. Donc voilà. La sécheresse, c'était mon introduction, mais vous avez déjà eu des informations. Donc effectivement, ma thèse en 180 secondes, je vais vous faire un petit briefing, hein, puisqu'il y en a parmi vous qui sont là chaque année, mais je sais qu'il y a aussi des petits nouveaux, et donc c'est important de savoir aussi d'où vient ce concept de ma thèse en 180 secondes. Donc effectivement, 2008, sécheresse dans le Queensland. Alors moi, je n'avais pas la version du sablier, tu vois, j'avais la version du minuteur. Mais voilà, effectivement, donc, il était demandé à ce que les douches ne durent pas plus de 3 minutes de façon à préserver donc, la ressource en eau. Et c'est ainsi que le doyen donc, de l'école doctorale de l'Université de Queensland a eu l'idée de Three Minute Thesis. Et c'est là d'où est parti le concept de MT180. Alors ça a été en 2011 déjà 900 universités et 85 pays qui participaient à la version MT180, alors des universités anglophones. Et très rapidement, hein, c'est en 2012 où l'Association francophone pour le savoir au Québec a repris le concept pour l'adapter pour les universités francophones. 2014, France Université, le CNRS donc, s'approprient le concept. Et puis, dès 2015, le premier concours a lieu à La Rochelle Université. Parce que voilà, je pense qu'on a tout de suite vu l'originalité et effectivement l'intérêt de cet exercice hein, de communication vers le grand public. Alors, en termes d'historique, depuis 2015, voilà les effectifs. Aujourd'hui, on bat tous les records avec 15 participants pour cette 9e édition. Et puis tout à l'heure, on comptait les effectifs cumulés. On a 95 cette année, donc l'année prochaine, pour la 10e édition, on passera le ou la 100e candidate. Donc je pense que ce sera encore une édition encore meilleure que les autres, avec peut-être plein de surprises. On va déjà commencer à penser à tout ça. Alors, bien entendu, je vous l'ai dit, hein, le centre, le cœur hein, de la soirée, c'est bien entendu les doctorants et doctorantes. MT180 concours, donc 180 secondes. Vous avez certaines règles, puisqu'effectivement, l'objectif, ça va être de communiquer auprès d'un public non averti. Pour ceux qui ne le savent pas, une thèse, c'est en moyenne 3 ans dans lesquels on travaille sur un sujet de recherche. Hein, et puis, ça découle sur une soutenance qui,
dure quelques heures, au cours de laquelle il y a environ un exposé de à peu près 45 minutes. Et donc là, l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de communiquer auprès donc, d'un public non averti, de faire un exposé clair, concis, convaincant, afin de rendre justement le sujet le plus passionnant possible et puis compréhensible par tous. Une règle aussi importante, en termes de support, une seule diapositive ou rien du tout. Et vous le verrez, ce soir, il y en a qui ont fait le choix de ne pas avoir de support, donc ne vous inquiétez pas quand il y aura écran noir, c'est que effectivement, les doctorants n'auront pas de diapositives qui illustreront leurs propos. Et puis, toutes les disciplines confondues. Et alors ce soir, vous avez vu 15 doctorants, et bien ces 15 doctorants vont représenter 6 laboratoires. 6 laboratoires de La Rochelle Université, donc 6 laboratoires sur 9. Donc c'est très bien, ça va vous montrer la diversité de la recherche qui peut se faire à La Rochelle Université. Donc je vais vous citer ces 6 laboratoires, donc par ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Donc le CEBC, Centre d'études biologiques de Chizé. On aura aussi donc, des doctorants ou doctorantes du LASI, le laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement. On aura également le laboratoire LIENS, littoral, environnement et société. Le L3I, laboratoire informatique, images, interaction. Le laboratoire littoral, qui est le laboratoire interdisciplinaire, territoire, histoire, organisation, régulation, loi. Et puis, donc, un sixième laboratoire, le MIA, mathématiques, images et applications. Vous voyez, donc, riche en termes de discipline, en termes de diversité. Et donc, je pense que ça va bien illustrer la recherche qui s'effectue à La Rochelle. Alors, autour des doctorants et doctorantes que vous allez voir ce soir, donc, bien entendu, il y a toute une équipe. Donc, il y a l'école doctorale, avec, en l'occurrence, donc, Isabelle, Jennifer et Virginie donc, qui ont aidé à l'organisation ce soir. Il y a l'Institut Ludi, qui est l'institut auquel se rattache donc, l'école doctorale et donc avec son directeur Christian Hénard qui est présent ce soir. Le service audiovisuel qui permet à ce que l'événement soit enregistré, en l'occurrence ce soir. La direction de la communication. Là, en ce moment, donc bonjour aux internautes, puisque l'événement est diffusé en direct sur la chaîne YouTube. Et puis la maison d'étudiants qui nous accueille ce soir dans cette salle assez exceptionnelle et qui permet d'avoir vraiment un super contexte pour que ces doctorants puissent s'exprimer. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, un super coach, Christian Gouachon. Donc, qui est caché quelque part, donc soit dans le public, soit dans les coulisses avec les candidats. Donc il est là, peut-être qu'il est votre voisin à côté de vous, il est quelque part ici. Et puis sur la photo, il est accompagné d'Oscar Cossera, donc, qui l'année dernière a franchi plusieurs étapes, parce que je vous en parlerai tout à l'heure, après l'étape de sélection locale, il y a la régionale, il y a la demi-finale nationale, il y a la finale nationale. Et donc Oscar a franchi toutes ces étapes et est arrivé deuxième à la finale nationale, donc a fait un très très beau parcours l'année dernière. Et donc ça fait depuis janvier que les candidats de cette année travaillent avec Christian pour préparer leur présentation. On a également un maître du temps, alors Monsieur Jean-Marc Vallée ici présent, donc, qui est fortement sollicité par l'équipe de Fort Boyard à cause de ses magnifiques performances et ses gestions du temps. Voilà, mais il a toujours décliné les invitations et ce soir, on l'a encore parmi nous. Et donc, c'est lui qui va gérer le chronomètre que vous voyez là sur l'écran, donc à chaque passage des candidats. Les doctorants, les doctorantes, vous les avez vus tout à l'heure, et puis le jury, et puis je crois qu'on vient d'accueillir M. Patrice Raffarin, qui vient d'arriver. Bienvenue. Ça y est, on est au complet. Super timing, comme ça, c'est parfait. Je vous remercie. Parce que le jury, effectivement, donc pas mal de boulot ce soir, avec 3 prix à décerner. Donc un premier prix qui est soutenu par la MGEN, donc de 300 euros. Un second prix soutenu par EDF, de 150 euros. Un troisième prix soutenu par la CASDEN, donc de 150 euros.
Et puis s'ajoutera au prix du public, pardon, au prix du jury justement, le prix du public, donc qui sera soutenu par EDF. Donc je vous réexpliquerai tout à l'heure hein, le public comment vous pourrez voter. Je vous dirai ça en temps et en heure quand ce sera le moment, c'est-à-dire quand tous les candidats seront passés. Ces quatre lauréats, ben, la suite pour eux, ce sera déjà la finale régionale qui a lieu le 22 mars à Pau. Et puis, pour les meilleurs, bah, la demi-finale nationale, voire la nationale, et puis peut-être la finale internationale, si on a des super candidats qui vont jusque-là cette année. Voilà, donc vous savez presque tout sur MT 180. Donc on va pouvoir commencer à démarrer donc dans le vif du sujet. Et puis, donc, commencer à accueillir les candidats et les candidates. Donc, ils vont passer un par un tour de rôle devant vous. Donc, voici l'ordre de passage qui a été, bien sûr, tiré au sort. Et puis, donc, comme il y a 15 candidats, vous allez voir, ça va aller assez vite. Et donc, on a créé des sous-groupes. Et puis, à chaque sous-groupe, en fait, il y aura un petit bilan. Ça permettra au jury de reprendre son souffle, de vérifier ses notes, et puis on avancera comme ça au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Les candidats donc, sont prêts et attendent dans les coulisses. Et donc, on va commencer avec donc, le premier sous-groupe, où vous avez donc, 4 doctorants et doctorantes donc, qui vont représenter 4 laboratoires ce soir et qui sont donc soit en première, deuxième ou troisième année. Et donc on va commencer par accueillir donc Moustapha Diallo qui appartient au laboratoire Littoral et qui va nous présenter donc son sujet de thèse qui porte sur le développement durable dans les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les États de l'Afrique de l'Ouest et Austral. Moustapha, c'est à toi. Le développement durable est défini comme étant la satisfaction des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Quel est l'intérêt de mon sujet ? C'est pour essayer de résoudre la problématique qui veut que la pauvreté frappe plus les pays du Sud, qui sont pourtant riches en ressources naturelles. Et le premier objectif de ma thèse est d'étudier le degré de prise en compte des 3 colonnes du développement durable, à savoir l'économie, l'environnement et le social, dans les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest d'une part, comme le Sénégal et le Nigeria, et l'Union européenne et l'Afrique australe d'autre part, comme l'Afrique du Sud et le Mozambique. 2 exemples concrets pour illustrer mon sujet. En Afrique de l'Ouest, le Niger exporte 24 787 tonnes de son uranium vers la France pour faire fonctionner ses centrales nucléaires. Or, les populations locales qui abritent ces richesses naturelles vivent dans la pauvreté. En Afrique australe, au Mozambique et en Afrique du Sud, l'extraction de platine et de vanadium qui servent à fabriquer l'acier et de diamants représente plus de la moitié de la production mondiale. La production d'or et de cobalt aussi représente respectivement 36 et 20% de la production mondiale de chacune de ces richesses. Donc, le constat peut être fait aujourd'hui qu'il y a une prépondérance de l'économie sur l'environnement et le social. Mais rien de nouveau au Sud. À partir de son constat somme toute évident, quelle est ma démarche de recherche? Afin de mieux confronter mon sujet à la réalité, je me suis intéressé au CARIFORUM, l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les Caraïbes pour 2 raisons. D'abord, c'est le seul accord complet entré en vigueur depuis 2015. Ensuite, dans cet accord ressortent des éléments des outils juridiques intéressants en matière de protection du droit du travail et de l'environnement qui nous permettraient
de mieux rééquilibrer le plateau du développement durable, notamment le principe de non-régression en matière de protection du droit du travail et de l'environnement. Lors de ma recherche, j'ai également trouvé dans les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest et Australe des éléments intéressants. Par exemple, le principe de sauvegarde qui permet de protéger son économie lorsqu'un produit extérieur inonde le marché national jusqu'à le bouleverser. Et l'un des éléments qui d'ores et déjà apparaît est que les populations locales n'ont pas suffisamment approprié ces outils. Les accompagner, les impliquer serait l'une des solutions, mais sans doute pas suffisante. Merci Moustapha. Donc merci Moustapha. On va te laisser rejoindre les coulisses. Et donc on va passer à la deuxième candidate. Donc là vous verrez, il y aura un écran noir. Julia a effectivement fait le choix de ne pas avoir de support. Donc vous ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème technique. Donc Julie Charrier du laboratoire Liens qui va nous parler donc de la contamination au mercure des azots marins en Arctique et du rôle joué par la fonte des glaces. Julie, c'est à toi. Étant la seule scientifique de ma famille, je peine beaucoup à me faire comprendre, surtout quand on aborde la discussion fatale de ma thèse. Mes parents sont d'un domaine artistique et comprendre ce que fait l'OVNI de la famille dans son laboratoire reste bien nébuleux malgré toute leur bonne volonté. Et pourtant, ça fait un an que j'essaye de leur expliquer mon travail en écotoxicologie, mais c'est systématique. Quand je commence à aborder ce sujet, ils accueillent chaque mot qui sort de ma bouche comme s'il venait des enfers. Au bout de 3 minutes, je les perds, ils décrochent complet et baillent la bouche fermée pour pas vexer leur fille susceptible. Du coup, à la pause café, quand on leur demandait « Toi alors, ta fille, elle fait quoi ?» Dire que je suis doctorante, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de donner mon sujet, c'est bien plus approximatif. Genre, elle travaille sur les oiseaux toxicaux, un truc comme ça. Ouais, moyen. Mais punaise, c'est important pour moi qu'ils comprennent. Alors voilà, si mes plombantes et assommantes explications entre le fromage et le dessert en pas de famille sont trop ennuyeuses, peut-être qu'une synthèse de 3 minutes passerait mieux. Eh oui, mes parents sont là, juste ici. Alors papa, maman, on y va. On va parler de mon sujet de thèse en écotoxicologie. Tout d'abord, je travaille sur le mercure. Et le mercure, c'est un contaminant toxique. Non maman, pas toxique comme la tante Marie-Jeanne. Les effets néfastes du mercure sont multiples pour les espèces contaminées. Conditions physiques, reproduction... Ouais, un peu comme tata Marie-Jeanne en fait. Le contaminant va être libéré dans l'environnement par le biais du domaine de l'industrie par exemple. Le truc, c'est que le mercure, c'est hyper volatile. Donc ça se retrouve dans les airs, à voyager dans les courants atmosphériques jusqu'en Arctique. Oui, attends papa, l'Arctique, c'est mon site d'étude, j'y viens. C'est en Arctique par le biais de pluie ou de neige, que le mercure va se déposer sur la glace. Ainsi piégé, le contaminant va être stocké jusqu'à ce que celle-ci fonde. Le mercure est alors libéré dans l'océan et va contaminer les premiers échelons de la chaîne alimentaire. S'ensuit un effet poupée russe. Les prédateurs qui se nourrissent de proies contaminées seront contaminés à leur tour. Ainsi, plus un prédateur est haut dans la chaîne alimentaire, plus il sera contaminé au mercure. Ouais, maman, je sais, le mercure, c'est vraiment une horreur. Enfin bref, le décor est planté et là, par pitié, restez concentrés. Papa, repose ce téléphone. Comme vous le savez, je travaille sur les oiseaux marins en Arctique. En 3 ans, j'aimerais savoir si mes oiseaux sont exposés au mercure provenant de la glace et si cette contamination affecte leur histoire de vie. En d'autres mots, si leur écologie est impactée. L'objectif global de ma thèse est donc de voir si l'écologie de mes oiseaux est impactée par les effets toxiques du mercure venant de la glace. Éco-tox, vous l'avez cette fois-ci ? Alors maintenant, papa, la prochaine fois à la pause café, je suis certaine que tu pourras prononcer fièrement éco-toxicologie sans bégayer devant tes collègues, et j'espère même que tu pourras leur en dire un peu plus sur mon sujet de thèse. Et puis moi, au prochain repas de famille, au lieu de vous pomper l'air, je pourrai enfin manger mon dessert. Merci Julie.
Tata Marie-Jeanne a dû avoir les oreilles qui sifflaient pendant la présentation. Donc on va poursuivre donc avec Mohamed Sawadogo du laboratoire LASI et qui va nous parler de son sujet de thèse qui porte sur l'étude des matériaux à changement de phase biosourcés pour le stockage de l'énergie thermique dans les bâtiments. Mohamed, c'est à toi. L'histoire que je vais vous conter ce soir me vient de mon grand-père. Il y a très longtemps, alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur nos coups, un petit village de l'Ouest africain, vivre dans les maisons devenait insupportable. Les maisons en terre, briques et bois n'arrivaient plus à offrir aux villageois un confort adéquat. Alors, le conseil des sages a décidé de se réunir sous l'arbre à palabre afin de trouver des solutions. Que faut-il faire? Isoler davantage les maisons. Cela avait déjà été fait. Installer la climatisation, ça n'existait pas encore. Et en plus, il fallait trouver une solution locale et peu coûteuse. C'est alors que mon grand-père, le spécialiste de la rénovation des bâtiments du Conseil des Sages, fut missionné pour parcourir les villages voisins afin de voir quelles étaient les solutions apportées. Après avoir parcouru moult kilomètres et plusieurs villages sans avoir trouvé de véritables solutions, dépité, fatigué, harassé, il s'assoupit sous un cocotier. Aïe! Une noix de coco venait de tomber sur sa tête. Et si la solution venait de la noix de coco? Content de sa trouvaille, il s'empressa de retourner au village pour annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, le conseil ne le prit pas au sérieux et sa solution jugée trop farfelue n'a jamais été retenue. Et si mon grand-père avait raison? Et si on pouvait isoler les bâtiments avec la noix de coco? Creusons la question. Lorsque j'ai commencé ma thèse, j'ai découvert que l'huile de coco, tout comme l'eau, le beurre et même le chocolat font partie d'une catégorie de matériaux appelés matériaux à changement de phase. Ces matériaux passent de l'état solide à l'état liquide lorsque la température augmente et de l'état liquide à l'état solide lorsque la température baisse. En plus, ces matériaux permettent de stocker jusqu'à 10 fois plus d'énergie que les matériaux de construction usuels. Intéressant tout ça. Mais alors, et si mon grand-père avait raison? Dans mes travaux, je n'utilise pas exactement l'huile de coco, mais une catégorie d'acide gras extrait de celle-ci. Mais avant d'être utilisé dans les bâtiments, j'ai d'abord encapsulé ces matériaux dans de la paille de chanvre, encore appelée chanvot. Ensuite, la chanvot, imprégnée de matériaux à changement de phase, a été utilisée pour fabriquer du béton de chanvre avec des performances énergétiques améliorées. Des échantillons de ce matériau innovant sont fabriqués pour tester en laboratoire ses performances énergétiques de l'échelle du matériau à l'échelle du bâtiment dans des conditions climatiques réelles. En plus de cette étude expérimentale, une étude numérique modélisant le matériau a été développée en parallèle, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité que l'expérimental et de tester plusieurs configurations de parois et de conditions climatiques. Bon, je dois vous avouer une chose. L'histoire de mon grand-père n'a jamais existé. Mais mon histoire avec l'huile de coco, elle est bien réelle et elle n'a pas encore fini de révéler tout son mystère. La prochaine fois, lorsque vous recevrez une noix de coco sur la tête, vous penserez au sujet de thèse que j'ai dans la tête. Merci à toi. Je me tourne vers les membres du jury, ça va? Vous suivez le rythme? Donc, on va accueillir maintenant Julien Delaunay. Donc, Julien, lui, fait sa thèse entre deux laboratoires, le L3I et le laboratoire Liens. Et le sujet donc porte sur l'extraction automatique d'informations interdisciplinaires de documents avec le littoral pour thématique commune. Julien, c'est à toi. Ne paniquez pas. 40% de la population mondiale est à peu près tranquille pour les années à venir. Bon, pour les 60% restants qui vivent à moins de 150 km du littoral, entre la montée des eaux, l'érosion et les ouragans, ça risque d'être un peu plus compliqué. Les enjeux environnementaux dépassent largement le cadre scientifique, touchent aussi l'économie et la société dans son ensemble. Ainsi,
Les activités humaines liées aux côtes, telles que le tourisme, la pêche, l'industrie ou l'urbanisme, sont des facteurs de risque, mais aussi de solutions pour les populations qui y vivent. Il est donc crucial de favoriser la collaboration entre toutes les parties prenantes, à savoir les autorités publiques, les groupes d'utilisateurs, les experts scientifiques, afin de résoudre les problématiques en s'appuyant sur des perspectives partagées. De tels processus existent aujourd'hui et permettent la mise en place plus aisée de politiques de protection ou d'aide pour les chercheurs via une meilleure compréhension de ces territoires. L'un d'entre eux est une carte conceptuelle qu'on appelle ARDI. A comme acteur influent sur un territoire, R comme ressource utilisée, D comme dynamique à l'œuvre et I comme interaction. Ce concept permet de représenter un système dans une approche pluridisciplinaire. Bonne idée ! Mais lorsqu'il s'agit d'un système aussi complexe que le littoral, tout de suite, c'est plus difficile. Alors, déjà, réunir toutes les parties prenantes afin qu'elles échangent leur point de vue sur le sujet, c'est mission impossible. Ensuite, identifier les acteurs et ressources n'est pas simple. Tout dépend de l'interaction. Par exemple, un poisson pêché par un pêcheur est une ressource, mais un poisson qui se nourrit de phytoplancton est acteur. Eh oui. Et la difficulté augmente encore lorsqu'on sait que la recherche scientifique s'appuie sur des dizaines de milliers de publications sur le sujet, éditées depuis l'an 2000. Heureusement, il existe l'intelligence artificielle, l'IA. Et là, vous vous dites, encore un informaticien qui va nous parler d'algorithmes. Oui. Mais moi, je vais plutôt vous parler de neurones, de réseaux de neurones, pour être plus précis. Les réseaux de neurones artificiels, qui sont des modèles d'intelligence artificielle, sont capables d'apprentissage un peu comme le cerveau. En utilisant ARDI, notre réseau de neurones dira si tel mot ou groupe de mots dans un texte est acteur, ressource, dynamique, interaction ou rien du tout. Si sa prédiction est fausse, alors il devra ajuster ses calculs de manière à ce qu'elle soit bonne à sa prochaine lecture du document. Avant d'être performant, nous devons l'entraîner sur un grand nombre de données. Entre 500 et 800 annotations à la main d'abstracts, qui sont de courts résumés de publications scientifiques, dans notre cas en lien avec le littoral. Il sera ensuite capable d'extraire les informations de données non annotées. Comme ARDI est pluridisciplinaire, notre approche pourra être utilisée pour d'autres problématiques, comme l'agronomie, la gestion des forêts ou encore la rédaction de ma thèse. Bon, pour la rédaction de ma thèse, j'en suis beaucoup moins sûr. Merci à vous. Merci Julien. Donc voilà notre premier sous-groupe qui est passé. Donc je vous rappelle, vous avez vu Moustapha Diallo qui a ouvert le bal ce soir du laboratoire Littoral, Julie Charrier ensuite donc du laboratoire Liens, Mohamed Sawadogo du LASI et donc Julien Delaunay qui vient de faire sa présentation. Donc, qui travaille à la fois avec le L3I et le laboratoire Liens. Je laisse quelques instants donc, à nos membres du jury le temps de faire un petit peu le récap. Je vous présente en attendant donc, le groupe suivant, avec donc, Yves, Zinedine, Adrien et Camille. Donc, trois laboratoires donc, qui sont présentés, le CEBC, le LASI et le LIENS, et avec donc, des doctorants qui sont soit en première ou en deuxième année. C'est bon pour vous, membres du jury ? On continue. Donc, on va accueillir Yves Cartaillet, qui effectue sa thèse donc, au CEBC, qui porte sur l'analyse des changements de pratiques agricoles dans le cadre de transition agroécologique et le rôle des expérimentations. Yves, c'est à toi. Ouest France. Moins de papillons et d'abeilles, une étude pointe l'agriculture intensive. Les échos. Quand le déclin des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire. Le temps. Enfin, réconcilier agriculture et biodiversité. L'opinion. L'agriculture, un atout pour la biodiversité et le climat. À ces quelques titres de presse, à la fois angoissants mais également teintés d'espoir, se dessine toute la complexité d'une transition agroécologique en France. Où en sommes-nous ? A-t-elle déjà commencé ? Quels sont les liens entre agriculture et biodiversité ? Comment les mesure-t-on ? Y a-t-il une
ou des transitions agroécologiques. Comment concevoir des systèmes agroécologiques? Ces questions, des chercheurs du sud des Deux-Sèvres se les posent depuis une trentaine d'années maintenant, au sein d'un grand laboratoire à ciel ouvert de 450 km² intitulé la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. Sur cette zone de céréaliculture intensive, ils ont suivi des centaines d'espèces, mesuré des rendements, mis en place des expérimentations, observé, analysé, rassemblé une multitude de données afin de mettre en évidence des co-bénéfices mutuels entre maintien de la biodiversité et rémunération des agriculteurs. Mais alors, au bout de 30 années de collaboration entre agriculteurs et chercheurs, qu'en est-il de la transition agroécologique dans cette zone? Ou plutôt, devrais-je dire, des transitions agroécologiques? Voilà le fondement, la raison et le sens de ma recherche ici. Comment je m'y prends? J'interroge, à hauteur d'un individu sur cinq, parmi les 400 de cette zone d'étude, les principaux concernés, les agriculteurs. Notamment sur la manière de façonner la terre, tout en reposant sur des processus écologiques. Tenez par exemple, quand un agriculteur me dit qu'en semant ses colzas directement dans ses couverts d'interculture, il a pu diviser par 4 ses doses de pesticides, il fait, sans en dire le nom, de l'agroécologie. Quand une agricultrice m'explique qu'elle a juste besoin de faire paître ses vaches et d'utiliser leur fumier dans sa stratégie de fertilisation des cultures, elle fait également de l'agroécologie, sans qu'elle me le dise de la sorte. Eh bien, c'est en retraçant les trajectoires et les évolutions de toutes ces femmes et ces hommes de la zone atelier Plaine et Val de Sèvres que je pourrais déterminer le poids des expérimentations des chercheurs dans le changement de pratiques des agriculteurs, parmi tous les facteurs qui peuvent également influencer les pratiques agricoles. Alors, peut-on enfin réconcilier agriculture et biodiversité? Mes rencontres avec les agriculteurs tendent à dire que oui, car ils font preuve d'ingéniosité pour innover tous les jours et travailler avec la nature, comme ils aiment à me définir leur métier de la sorte. Alors, il reste encore de l'espoir, demanda Pipin Peregrine Touc à Gandalf. Oui, lui répondit-il, un espoir de fou. Merci Yves. Alors, j'amène une petite chaise parce que notre prochain candidat s'est blessé et donc voilà, comme ça il pourra s'installer plus confortablement. Et donc on va maintenant donner la parole à Ziné Edine Krib du laboratoire LASI et dont le sujet de thèse porte sur la modélisation du couplage des transferts ioniques multi-espèces et initiation de la corrosion dans les matériaux cimentaires non saturés. Ziné Edine, c'est à toi. Savez-vous que le béton armé a une période d'expiration? Je m'explique. Le béton est un matériau fragile, comme le verre. Et oui, il résiste bien à la compression, mais résiste mal à la traction. Pour compenser cette vulnérabilité, des armatures en acier ont été ajoutées. Le béton est aussi un matériau poreux, susceptible d'être fragilisé par des agents agressifs présents dans son environnement, comme les chlorures, les sulfates et le dioxyde de carbone. Dans ce contexte, à La Rochelle, quand on parle de béton armé, on pense souvent au pôle de l'Eldoret. Le pont est considérablement affecté au chlorure de sodium, le sel. Qui dit chlorure et béton armé, dit corrosion. Les chlorures pénètrent à travers le réseau poreux présent dans le béton jusqu'à atteindre et fragilisent les armatures. Les chlorures atteignent et fragilisent les armatures. En tant que spécialiste de chlorure, mon travail consiste à développer un modèle qui prédit le transfert des chlorures, dans des conditions partiellement saturées, où nous avons une différence de marée haute, marée haute et marée basse. Quel est l'intérêt d'étudier en cette zone? L'intérêt d'étudier en cette zone que l'eau est présente sur ces trois phases, donc l'eau liquide, gazeuse et solide. Et donc, je m'intéresse au transfert hydrique de l'eau liquide, vapeur d'eau et l'air. Et pour le transfert des chlorures, il se fait de deux manières. Par diffusion que la marée haute, par capillarité que la marée basse. La capillarité, c'est la capacité de monter d'un liquide naturellement, malgré la force capillaire, la force de gravité est présente.
la montée des chloreurs est très rapide. Et comme dit que notre environnement est riche en oxygène, plus son transfert favorise la corrosion. Donc, mon travail est de développer et diviser en deux parties. Une partie théorique, numérique, où je développe un modèle qui prédit la prédiction des chloreurs. Une partie expérimentale, où j'alimente mon modèle avec différents paramètres d'entrée, comme la porosité, la perméabilité à l'eau et à l'air, le coefficient de diffusion, et aussi même le comportement lors d'une marée haute ou marée basse. Et comme le phénomène de diffusion est un phénomène qui est long et qui prend des années, et pour bien mener mes travaux de recherche et apporter des éléments fiables, je dépose donc des échantillons dans un bassin qui simule la zone de marnage, mais de façon accélérée. Donc, mon objectif est de développer à la fois un modèle qui prédit la durée de vie des structures déjà existantes et de même de tenir compte pour les futurs édifices. Et oui, le béton est notre matériau. Merci Zinedine. Ça va aller. Attends, je vais récupérer la chaise. Je reviens. Donc notre prochain candidat, donc c'est Adrien Henry du laboratoire Liens, et donc qui travaille sur les effets des redistributions sédimentaires sur le niveau marin relatif depuis le dernier maximum glaciaire. Donc Adrien, c'est à toi. J'aimerais vous raconter la légende de Mira, un petit être qui mangeait des sédiments. Il en mangeait tellement qu'il grossissait, 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 puis il s'endormit. Avec le temps, des villages se construisirent sur son corps. Mais un jour, il se réveilla et a détruit les villages. Heureusement, les choses ne se passent pas vraiment comme cela. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs et chercheuses modélisent l'effet de la fonte des glaces sur le niveau marin. Ils le font en prenant en compte deux processus. D'abord, l'augmentation du volume d'eau dans les océans, et ensuite, la déformation à l'échelle de plusieurs milliers d'années de la surface de la Terre sous l'effet de la disparition des masses de glace. Depuis 10 ans, on ne prend plus seulement en compte la glace, on prend aussi en compte les sédiments. On cherche à comprendre comment leur redistribution affecte le niveau marin depuis les 20 derniers milliers d'années, depuis la dernière ère glaciaire. C'est sur cette thèse en constante évolution que je vais tenter de bâtir mon argumentation. Les sédiments sont charriés dans les fleuves. Si les apports sont suffisants, les sédiments en s'accumulant dans la mer forment des deltas. C'est Mira dans notre histoire. 60% de la population mondiale réside à moins de 5 mètres au-dessus du niveau marin et la majorité vit et se nourrit sur les grands deltas. Seulement, la plupart d'entre eux coulent de par leur propre masse. Ils subsident. Oui, mais à quelle vitesse ? Une partie de cette subsidence est naturellement compensée par les apports sédimentaires. Mais avec les barrages et l'activité humaine, ce que l'on appelle l'anthropisation, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mira a faim. En me basant sur des données publiées depuis le 19e siècle autour du delta d'Ayarwadi au Myanmar, anciennement en Birmanie, nous avons reconstitué l'histoire de l'accumulation des sédiments et avons calculé les variations du niveau marin. Cette modélisation a été faite en utilisant des algorithmes déjà existants que j'ai harmonisés pour calculer les variations du niveau marin et la subsidence des grands deltas. Ce travail a montré que le delta d'Ayarwadi subside à une vitesse proche de celle de la montée du niveau marin dans la région, telle qu'elle a été estimée dans les modèles de prévision de la NASA. Finalement, Mira est tellement gros qu'il s'enfonce dans l'eau. Mais avec la diminution des apports sédimentaires, Mira s'est réveillé. Il ne compense plus la montée du niveau marin. Et on peut se demander quelle sera l'histoire de l'accumulation des sédiments dans 50, 100, 500 ans et comment le niveau marin évoluera. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Adrien.
avez vu, en plus, on voyage. Et vous voyez cette diversité donc des sujets qui vous sont présentés. Et on va continuer donc avec Camille Schatz, qui est du CEBC, et dont le sujet thèse porte sur les impacts des changements globaux sur la démographie des prédateurs marins vulnérables, et qui utilise donc pour aborder ce sujet une approche comparative. Camille, c'est à toi. En voyant prédateurs marins, vous vous attendiez à des albatros ? Non ? Eh bien, c'est pourtant eux que j'étudie. Mais pas le grand albatros, cet imposant oiseau blanc auquel vous pensez, plutôt les albatros fuligineux. À dos clair à ma droite, à dos sombre à ma gauche. La différence est subtile, mais si vous regardez bien, le dos clair, en plus d'avoir le dos plus clair que le dos sombre, élémentaire, mon cher Watson, eh bien, il a une bande fine bleutée sur la mandibule inférieure. Le dos sombre, lui, a cette même bande, mais jaune-orangé. Dans le contexte actuel, je m'intéresse à l'impact que les changements globaux ont sur les populations. Ces deux espèces se retrouvant sur la même branche de l'arbre de l'évolution, on peut s'attendre à ce qu'elles aient les mêmes réponses à ces changements. Mais puisqu'elles n'ont pas le même statut de conservation, on peut également penser le contraire. Mes études nous permettront de mettre cela en lumière. D'après l'UICN, elles sont respectivement quasi menacées et en danger. C'est pourquoi il est important de bien comprendre leur dynamique de population. Elles évoluent toutes deux entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique et passent le plus clair de leur temps en mer. De ce fait, je m'intéresse à leurs sites de reproduction, notamment les îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Malheureusement, tout ne s'y passe pas toujours comme prévu. Bien que certains reproducteurs, chanceux, arrivent à mener leur effort de reproduction jusqu'à l'envol de leurs poussins, certains n'y arriveront pas. De plus, leur reproduction est biennale. Et oui, c'est tellement fatigant d'élever son poussin pendant près d'un an qu'il faut bien ensuite prendre une année sabbatique pour se ressourcer. Ainsi, les partenaires fuligineux se retrouvent un an sur deux à la colonie pour tenter de se reproduire. Ils sont donc plus souvent absents que présents, ce qui rend leur étude un peu plus complexe. Mais comme j'ai la chance que ces populations soient suivies depuis les années 70, je vais pouvoir réaliser des modèles où, à partir d'un individu revu, on va estimer quatre paramètres. Le taux de survie, de retour à la colonie, la probabilité d'entrer en reproduction et succès. C'est ce qui occupe mes journées actuellement. Ensuite, je vais m'intéresser à l'impact des variables environnementales en réalisant des scénarios prédictifs, mais aussi rétrospectifs, afin de bien comprendre comment ces covariables impactent leur dynamique de population. Et comme j'aime la complexité, je rajouterai un élément, la compétition entre les deux espèces étudiées pour une île conjointement utilisée, Crozet, en réalisant des modèles de population intégrée. Bien que les pronostics ne soient pas très bons pour nos albatros fuligineux, tout n'est peut-être pas perdu. Mes études pourront aider, si nécessaire, la mise en place de mesures de conservation pour ces espèces. Étant alsacienne, j'aurais pu m'intéresser à la cigogne blanche, mais mes études m'amènent dans les Deux-Sèvres, pour étudier ces oiseaux d'un autre univers, l'univers des fuligineux à dos sombre et à dos plus clair. Merci Camille, je t'en prie. Donc voilà, on vient de passer le second groupe, donc je vous fais un petit résumé. On a vu donc Yves Cartaillé qui nous a parlé donc des pratiques agricoles, Zinedine de la corrosion en milieu marin, Adrien Henry, donc il nous a parlé du niveau marin et de son évolution, et donc Camille Schatz qui nous a parlé donc des albatros fuligineux. On va poursuivre. Donc dans le prochain groupe, vous avez que des doctorants de seconde année. On va avoir trois laboratoires qui seront représentés. Et donc, je me tourne vers le jury pour voir s'ils sont prêts, s'ils ont un peu repris leur souffle. Oui. Et donc, on va continuer les présentations avec Yann Meeust du CEBC, et dont le sujet de thèse donc, porte sur l'impact des conditions environnementales sur le succès de reproduction
d'un oiseau marin arctique, le manchot Adélie, Pygocélis adéliae. Yann, c'est à toi. Bon, alors, moi, ça ne se voit pas forcément, mais mon sujet, c'est les manchots. L'oiseau. Et pas n'importe lequel. Le manchot Adélie. Très simple, pas plus grand que ça. Noir et blanc, et une pointe rouge sur le nez. Pour le trouver, je suis allé en terre Adélie, justement. C'est Jules Dumont d'Urville, explorateur français du 19e siècle, qui a nommé la terre et le manchot en l'honneur de son épouse Adèle. Et aujourd'hui encore, il faut être motivé pour trouver ce fameux manchot. Porte à porte, 24 heures d'avion, 5 jours de bateau, 2 patchs contre mal de mer, avant d'arriver sur la base du Mont d'Urville. C'est le même. Sur place, ma mission, c'est de comprendre comment le stress de l'environnement influence la physiologie et la reproduction des manchots. Et il y a de quoi d'être stressé. Changement rapide de la banquise, météo neigeuse devenant pluvieuse avec des conséquences fatales sur les poussins qui restent humides. Et pourtant, les manchots, ce sont des champions des conditions extrêmes. Les manchots Adélie, par exemple, construisent des nids surélevés pour isoler leurs œufs de la glace. Malin. Mais avec le changement climatique, on s'attend paradoxalement à davantage de précipitations neigeuses dans la région, et donc à un risque accru d'enneigement des nids. Vous voyez, dès le stade de l'œuf, les manchots peuvent être stressés par leur environnement. Alors pour comprendre ce stress enduré par les manchots, je ne peux pas les allonger sur un divan et échanger avec eux sur leurs ressentis. Mais il existe d'autres manières de mesurer le stress. Analyser les variations du rythme cardiaque, contrôler le niveau des hormones de stress ou observer le comportement. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les télomères. Alors qu'est-ce que c'est qu'un télomère? C'est simple, c'est l'extrémité des chromosomes. Les chromosomes, c'est ce qui enferme notre ADN, et l'ADN, eh bien, c'est comme un dictionnaire. Certaines pages sont lues et traduites en protéines, mais d'autres ne le sont pas, comme les télomères, qui forment la couverture du dictionnaire. Ils protègent l'extrémité des chromosomes et en limitent l'usure. Mais avec l'âge, les télomères raccourcissent, et le stress peut accélérer ce raccourcissement. Les protections finissent par disparaître, les cellules entrent en mort cellulaire, et c'est tout l'individu qui s'affaiblit. Sur le terrain, j'ai effectué des prises de sang pour comparer les télomères de poussins incubés dans différentes conditions d'enneigement. Ce que je peux vous dire, c'est que les poussins incubés sur neige sont plus petits et leur éclosion est plus tardive. L'analyse de la longueur de leurs télomères au laboratoire me donnera davantage d'informations sur leurs chances de survie à long terme, et donc sur l'impact des précipitations neigeuses sur toute la population de manchots. En attendant, j'espère que les 180 dernières secondes n'auront pas trop d'influence sur ma propre survie. Merci Yann. Donc on poursuit avec Manon Porta du laboratoire LIENS, et dont le sujet de thèse porte sur l'utilisation d'oligosaccharides marins en nanomédecine contre le cancer. Manon, c'est à toi. Division polysaccharide au rapport. Je suis le commandant Porta, votre chef instructrice, et vous venez en renfort sur une thèse, une guerre, pour lutter contre notre ennemi, le cancer. Malheureusement, nos unités chimio et radiothérapie sont encore très limitées. Elles agissent, oui, mais de manière aléatoire, avec de nombreux effets secondaires. En plus, quelques cellules cancéreuses peuvent leur échapper en se planquant tout au fond des tissus et reviennent en guérilla encore plus agressive. Pour battre définitivement l'ennemi, nous testons un nouveau programme stratégique appelé nanomédecine dans lequel vous venez d'être recruté. Vous êtes prêts? C'est quoi ces nouvelles recrues? Ils ont l'air mou comme des algues. Normal, c'est des molécules extraites d'algues. Ah oui, c'est vous les fameux polysaccharides marins. Apparemment, grâce à votre grande taille moléculaire, vous disposez de tout un arsenal d'activités. Anticoagulantes, antimicrobiennes, antitumorales, ouais. Le problème, c'est que là, je ne peux pas vous envoyer au front comme ça. Votre taille moléculaire est bien trop grande, vous partez dans tous les sens, vous faites tout et n'importe quoi. On va se retrouver avec les mêmes problèmes que la chimiothérapie.
Et des ressources marines, ça ne sera pas suffisant. Il nous faut de véritables marines. Bon, premier point, préparation. Pour vous rendre plus léger et plus performant, vous allez subir la phase de dépolymérisation. Grâce à des réactions chimiques, je vais vous casser, vous briser en petits morceaux afin d'extraire la meilleure de votre capacité, votre effet antitumoral. Les plus petites molécules d'entre vous, les oligosaccharides, auront l'honneur d'intégrer notre unité d'élite. Des soldats surentraînés, capables de cibler l'ennemi avec précision. D'ailleurs, va falloir la jouer fine. Le cancer se terre tout au fond du tissu tumoral, une jungle quasi inaccessible. Deuxième point, mission. Écoutez-moi bien, la meilleure stratégie est d'attaquer son principal allié, l'enzyme héparanase. Elle dégrade les tissus des organes alentours et assure l'approvisionnement des cellules cancéreuses en glucose, en nutriments, les munitions et la bouffe, quoi. En plus, ça libère les grands axes et facilite leur invasion dans tout le corps. Deuxième point, mission. Non. Ah non, j'ai plus. Ah putain, non. Votre mission, inhiber cette héparanase pour couper leur ravitaillement, stopper leur avancée et finalement les étouffer. Non. Allez, il te reste 25. Ça y est, j'ai, c'est bon. On se calme, je ne vais pas vous envoyer à poil. Troisième point, équipement. Vous serez déployé à bord de nos véhicules de combat dernier cri, les Iron Oxide Nanoparticles, les IONP. Tout en oxyde de fer, à la pointe de la nanotechnologie, et je sais de quoi je parle, c'est moi qui les ai faits. C'est du full metal mazette. Ces véhicules furtifs vous achemineront directement là où se terrent les paranases, garantissant une grande efficacité et surtout moins de dommages collatéraux. Et attention, je vous ai à l'œil. Grâce à leurs propriétés magnétiques, ces IONP sont visibles par IRM. Je pourrai donc suivre votre position à tout moment et vérifier que la mission se déroule comme prévu. Alors les polysaccharides, toujours prêts ? Vidons les hôpitaux au lieu de les remplir cette fois. Merci Manon, on l'applaudit bien fort. J'ai raté. Merci Manon. On continue donc avec Ibrahim Souleymane Mahmoud du laboratoire L3I et donc qui a un sujet thèse qui porte sur l'apprentissage automatique des liens sémantico-structurels de champs dans un document. Ibrahim, c'est à toi. En tant que doctorant en informatique, j'enseigne à des étudiants, mais aussi à des algorithmes. Oui, cela peut vous paraître surprenant, mais j'enseigne les algorithmes à lire, à comprendre et à interagir avec nous. Les algorithmes, vous les utilisez malgré vous tous les jours, dans vos achats en ligne, pour trouver des bons plans pour vos voyages et même trouver l'âme sœur. Ils sont discrets, mais efficaces. Les algorithmes que je forme sont spécialisés dans les traitements automatiques des documents numériques des entreprises. Ces entreprises traitent des milliers de documents par jour. Il faut du temps pour lire ces documents, les analyser et en extraire les informations utiles pour ces documents. Tout cela a un coût très important. Ma mission est là. J'entraîne mes étudiants, les algorithmes, à aider ces entreprises. Au début de ma thèse, on m'a présenté mes nouveaux étudiants, des algorithmes qui ont certaines limites. Ils ne savent pas très bien lire un document et en extraire des informations limitées. Un peu comme les chatbots ou les assistants virtuels des banques et assurances, qui ne savent répondre à une liste d'options prédéfinies. Et deux, que votre demande ne se situe pas dans ces listes d'options, il vous répète « Désolé, je n'ai pas compris votre requête, pouvez-vous répéter encore ?» C'est dans ces contextes que j'interviens. Je forme mes étudiants pour apporter des réponses satisfaisantes à toutes les questions concernant le document. Sans plus tarder, place à l'enseignement. Cours numéro 1, apprendre à lire et à comprendre les mots. Aurez-vous un souvenir de comment vous avez appris à lire et à comprendre les mots ? De notre plus jeune âge, nous avons appris cela avec la méthode suivante. D'abord, on découpe un mot aux lettres, par exemple « chat », en C-H-A-T, puis en son, CH et A. Et enfin, nous donnons un sens à ces mots en l'associant à d'autres informations liées à ces mots. L'image des chats dans la maison, le couleur de son pelage, ses yeux, etc. Tout cela est possible grâce à la mobilisation de plusieurs régions cérébrales, de plusieurs réseaux de neurones. En s'inspirant de ces magnifiques collaborations, j'enseigne un étudiant à bien observer la structure d'un document, puis un autre à créer des liens pertinents entre les différents mots d'un document. Cours numéro 2, comprendre une question et apporter la réponse adéquate.
Avant de confronter mes étudiants à vos questions difficiles et diverses, je leur propose d'abord des exercices. Pour s'exercer, j'ai collecté 700 documents et nous avons noté 5000 questions-réponses utiles pour ces étudiants à l'algorithme. Une fois cela fait, j'entraîne un binôme d'algorithme, le premier à comprendre les questions et l'autre à pouvoir extraire l'information nécessaire pour répondre à cette question. Finalement, un des étudiants est chargé à coordonner l'ensemble de l'apprentissage parce qu'ils se comprennent mieux entre eux. Et finalement, le résultat, je suis très surpris. Je ne sais pas si je suis un bon enseignant, mais en tout cas, j'ai des algorithmes, j'ai des étudiants qui sont meilleurs que moi actuellement et qui m'ont appris à lire toi. Merci. Merci. La dernière du groupe, donc Vicke Prumel du laboratoire OMIA, et donc qui va nous parler de la segmentation d'objets mobiles dans des vidéos à l'aide des réseaux de neurones sous forme de graphes. Vicke, c'est à toi. Dans l'image vidéo derrière vous, à gauche c'est un poisson et à droite un rocher. Maintenant que je vous l'ai dit, cela semble évident, d'autant que mon objectif c'est d'identifier des poissons comme objets mobiles, de rochers comme objets immobiles en segmentant mon image numérique. Il faut savoir que je travaille actuellement avec un biologiste marin et il a placé des caméras à quelques mètres sous l'eau afin d'étudier des habitats de poissons. Cependant, il n'a pas le temps de regarder chacune des vidéos et leur mauvaise qualité ne permet pas de distinguer un poisson d'un rocher. En effet, la qualité des vidéos est réduite à cause de diverses perturbations, comme l'intensité lumineuse, la turbidité ou encore un dépôt d'algues sur la caméra. Mais en plus, sous l'eau, tout est en mouvement, car en fonction d'un courant, une algue ou un petit caillou peut être amené à bouger. Alors, comment faire la part des choses? Comment identifier mes poissons comme objets mobiles, peu importe la qualité de la vidéo? Pour vous faire découvrir mon univers de segmentation d'objets mobiles, je vous invite à me suivre à l'échelle du pixel. À ce niveau de précision, il est compliqué, à l'œil nu, de distinguer une région de pixels de poisson et une région de pixels de rocher. Mais je vais y répondre à l'aide des mathématiques et de l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, je vais entraîner un algorithme à reconnaître des poissons, quelle que soit leur position dans l'espace ou encore leur forme, qui pourrait être ovale, en trait ou en rond. Mon algorithme extrait l'image d'un objet qui pourrait correspondre à un poisson en délimitant le tour et en ne gardant que les pixels à l'intérieur de cette région. Ce traitement de l'image par segmentation d'objets mobiles rassemble donc tous les pixels appartenant au même objet et possédant les mêmes caractéristiques. Mais à ce stade, l'algorithme peut encore se tromper et il peut confondre une région de pixels de poisson avec une région de pixels d'un rocher. Et c'est là aussi que de plus, on ne sait pas si les objets ainsi détourés par mon algorithme sont mobiles ou non. Et c'est là que les mathématiques peuvent vraiment aider la biologie marine. Afin de faire le tri entre les poissons et les fausses détections, je vais entraîner un algorithme, appelé une intelligence artificielle de graphe, appelé réseau de neurones, à détecter justement ces régions. Donc, c'est une intelligence artificielle de graphe, les fameux graphes. Oui, c'est un peu compliqué. Donc, un graphe décrit les relations spatiales entre les différentes régions de pixels en comparant les caractéristiques de texture et de mouvement. Mon graphe va permettre à mon algorithme d'apprendre à classifier mes régions en objets mobiles ou en objets statiques. Ce travail sur la segmentation d'objets mobiles dans les vidéos trouve d'autres applications dans des domaines notamment comme les images satellites ou encore les vidéos de surveillance. Pour ma part, la prochaine application concernera, attention, l'étude d'enregistrement sonore afin d'étudier et de prédire la santé des forêts en Colombie. Et oui, les mathématiques, ça fait aussi voyager. Merci Vicke. Je t'invite à regagner les coulisses. Ah. Voilà, donc le petit bilan de ce groupe, donc, pour lequel on a vu donc, Yann Meust, Manon, donc, qui nous a parlé, Yann, des manchots Adélie, Manon Porta donc, qui nous a parlé donc, des oligosaccharides dans la lutte contre le cancer, donc Ibrahim Souleyman Mahamoud donc, qui a fait son intervention
concernant donc l'apprentissage au travers d'algorithmes, et donc Vike Prumel, donc qui vient juste d'intervenir, sur également donc l'intelligence artificielle et des solutions pour l'analyse vidéo. On va passer maintenant donc aux trois dernières présentations. Donc pour ces trois dernières présentations, deux laboratoires sont représentés, le CEBC et l'ASI, et vous avez donc des doctorants de deuxième ou de troisième année. On va démarrer avec, pour ce dernier groupe, avec Anaïs Danon du CEBC, et donc qui travaille au cours de sa thèse sur l'estimation des populations d'oiseaux marins dans les terres australes. Anaïs, c'est à toi. Crozet, Kerguelen, archipel perdu au sud de l'océan Indien, à 4000 km de toute terre habitée, abrite des centaines de milliers d'oiseaux marins lors de leur nidification. Y nichent des pétrels, petits cousins des albatros, par dizaines, ici et ici. Et des gorfous, petits manchots à écrête jaune sur la tête, par centaines, là et là. Vous ne les voyez pas ? Les gorfous se regroupent entre la falaise et la mer pour couver leurs œufs. Leurs colonies sont bien souvent inaccessibles, voire invisibles. Les pétrels creusent la terre pour pondre leurs œufs cachés dans un terrier afin d'éviter la prédation par d'autres espèces d'oiseaux. Vous ne les voyez toujours pas ? Eh bien, moi non plus. Pourtant, ils sont là. Ces oiseaux font face à diverses menaces, comme les changements climatiques ou la pêche intensive. Il est important d'en connaître le nombre et la répartition pour pouvoir les protéger. Je dois donc compter et étudier des oiseaux invisibles. Comment faire ? Prenons le cas de l'espèce que j'étudie le plus, le pétrel à menton blanc. En un mois sur le terrain, je n'en ai vu qu'à deux reprises, la journée. Mais la nuit, ils sortent de leur terrier pour aller se nourrir en mer. Et aussi la nuit, ils chantent. Et si on pouvait les compter à partir de leur chant ? J'ai donc installé des enregistreurs sonores sur des collines telles que celle-ci afin d'enregistrer les chants des pétrels à menton blanc pendant plusieurs mois consécutifs, récoltant des milliers d'heures d'enregistrements sonores. J'ai ensuite confié ces enregistrements à un algorithme capable d'identifier les chants des pétrels à menton blanc. C'est comme Shazam, mais pour les pétrels. À partir du nombre de ces chants, je pourrais déterminer le nombre de pétrels à menton blanc. Ou alors, je peux compter le nombre d'oiseaux qui se trouvent sur une petite zone et reporter ce nombre à de plus grandes zones. D'accord, mais où ? Ces oiseaux sont difficiles à trouver et ils ne nichent pas tous au même endroit. Je sais que le pétrel à menton blanc préfère creuser son terrier sur des terrains recouverts de fougères en légère pente à moins de 200 mètres d'altitude, alors que les gorfous sauteurs préfèrent les éboulis rocheux à flanc de falaise. Ce sont les préférences d'habitat de ces espèces. À partir de photographies satellites et de cartes topographiques, je peux sélectionner les zones où se trouve l'habitat préféré de l'espèce étudiée, y appliquer l'abondance correspondante grâce à la modélisation statistique. Ainsi, j'optimise les temps de comptage et la précision des estimations. Bon alors, ces oiseaux, est-ce que vous les voyez finalement ? Moi, toujours pas, mais je sais combien ils sont. Merci Anaïs. Donc on va poursuivre avec Soumia Boussala, qui est du laboratoire LASI. Donc vous verrez, de nouveau, vous aurez un écran noir, parce que Soumia a fait le choix donc, de ne pas avoir de support. Et donc, pour son sujet de thèse, donc, Soumia s'intéresse au compromis entre le confort thermique des passagers et la consommation énergétique dans le tramway. Soumia, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de Tramway Destination Confort pour tous. Enfin, presque. Je suis votre agente de bord, responsable de votre confort. Sachez que la température extérieure est de 0 degré, la température intérieure est de 16 degrés près des portes,
20 degrés au centre et 18 degrés sur les extrémités. Oui, je sais, la température n'est pas homogène partout, mais je ne peux pas faire grand-chose. Quoique, si je maintiens les portes fermées, personne ne descend, je vais limiter les pertes de chaleur. Je vais même faire des économies d'énergie, surtout que les systèmes de chauffage et climatisation consomment 40% de l'énergie totale de tramway. C'est génial. Après, évidemment, dans cette situation où personne ne descend, vous allez commencer à stresser, à transpirer et dégager de la chaleur. Non, pas question de mettre la climatisation en plein hiver. Après tout, le trajet en tramway est assez court, vous allez supporter cette température. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Ma température de confort est de 26 degrés. Et vous, monsieur, 19 degrés. Vous, monsieur, 20. Vous, madame, 30 degrés. OK, vous voyez, je ne peux pas garantir une température confortable pour tout le monde. C'est un ressenti thermique qui est relatif à chacun et qui dépend de plusieurs facteurs, comme votre historique thermique, votre niveau d'habillement et même de vos conditions psychologiques. Oui, une personne stressée va sûrement avoir chaud. Elle demandera même de maintenir les ouvertures de portes pour se rafraîchir. Mon défi est important car je dois garantir à la fois votre confort tout en réduisant la consommation d'énergie. Et bien évidemment, sans changer les éléments de structure de tramway, comme renforcer l'isolation thermique ou réduire le nombre des portes. Sinon, ça serait facile. Étant donné cette complexité, ma démarche de recherche est d'abord d'évaluer par une enquête votre confort dans les conditions actuelles qui sont préconisées par la norme. Et en parallèle, je définis les bilans thermiques appliqués sur la voiture et les déperditions dues aux ouvertures des portes. Ensuite, j'intègre les phénomènes transitoires, comme les ouvertures des portes et la montée-descente des passagers, dans les lois de régulation, afin d'atténuer leurs effets sur votre confort. Et enfin, j'adapterai les modèles de confort thermique qui prennent en considération à la fois l'environnement et votre capacité d'adaptation pour prédire votre confort. Bien évidemment, il y aura toujours un nombre de personnes insatisfaites. Mais ce n'est pas forcément dû aux prédictions de modèles. Ça peut être simplement la mauvaise journée passée par le passager. Nous sommes arrivés à notre destination. Merci pour votre attention. Merci Soumia. Et donc pour clôturer les présentations, donc on va accueillir maintenant Noureddine Afiouni du laboratoire LASI, et donc qui va nous présenter son sujet thèse qui porte sur la corrélation entre la dynamique tourbillonnaire et la production sonore pour un jet impactant sur une surface fendue chauffée. Noureddine, c'est à toi. Savez-vous pourquoi je ne roule pas dans ma voiture avec fenêtre ouverte? Car ça me rappelle trop mon sujet de thèse. Savez-vous encore pourquoi je ne prends pas l'avion? Oui, vous avez raison, car ça me rappelle toujours mon sujet de thèse. Quel est le point commun entre les deux? C'est l'aéroacoustique. L'aéroacoustique est une partie de la mécanique des fluides qui étudie le bruit provoqué par le mouvement d'air dans un espace donné. Et moi, je m'intéresse particulièrement au bruit des fentes. On les trouve partout. Oui, c'est ça, dans la voiture avec fenêtre ouverte. On les entend aussi dans la climatisation des maisons. À partir de là, je vous propose deux solutions. Soit je vous donne un casque anti-bruit, soit je tente d'étudier et de comprendre la relation entre le bruit et la dynamique tourbillonnaire de l'écoulement. Et j'ai choisi la deuxième solution. Comment je procède? Je réalise des expériences qui consistent à projeter de l'air avec un jet sur une plaque sur laquelle se trouve une fente et j'enregistre avec une microphone les bruits générés. Le signal est traité par un logiciel et corrélé à la dynamique de l'écoulement. Cela peut paraître simple, mais comment on peut voir le mouvement d'air? Grâce à la vélocimétrie par image des particules, une technique de mesure très avancée qui consiste à éclairer la région de l'écoulement par un laser très puissant.
Mais malgré la puissance de celui-ci, les particules d'air restent invisibles. Quelle est alors la solution ? Utilisez l'huile d'olive extra vierge. Oui, la solution peut vous paraître étonnante, mais c'est la pulvérisation des particules d'huile dans l'écoulement. Et la densité de celui-ci permet de suivre l'écoulement pas à pas. Les particules d'huile reflètent la lumière du laser captée par des caméras super puissantes. À 3000 images par seconde, ces images sont traitées par un logiciel qui permet d'obtenir la vitesse instantanée de l'écoulement. Acoustique, dynamique, mais la complexité physique du problème ne s'arrête pas là. Et si on chauffait la plaque de mon expérience, quelles seraient les incidences sur l'acoustique de l'écoulement? C'est l'une des hypothèses que j'expérimente actuellement en posant une pièce chauffante en arrière de la plaque et je mesure la température en surface à l'aide des caméras infrarouges. En tenant compte de toutes ces données, acoustiques, dynamiques, thermiques, je pourrais corréler tous ces phénomènes physiques et connaître la source de bruit dans l'air et l'influence de la température. En connaissant son origine, des ingénieurs pourront alors se pencher pour trouver une solution audible. Et j'espère un jour rouler dans ma voiture avec fenêtre ouverte, sans penser à mon sujet de thèse et sans climatisation, bien sûr. Merci. Donc, vous venez de voir Anaïs Danon, Soumia Boussala et donc Noureddine Afiouni, donc qui a clôturé les présentations donc des 15 candidats et candidates que nous avions ce soir. On va passer maintenant au moment fatidique, celui du vote. Donc ça va se passer de la manière suivante. Il y aura le vote du jury et puis aussi le vote du public. Mais avant ça, je vous propose de rappeler l'ensemble des candidats hein, qui ont fait un super boulot ce soir et donc de les applaudir. Donc j'appelle Moustapha Diallo, Julie Charrier, Mohamed Sawadogo, Julien Delaunay, Yves Cartaillé, Zinedine Krib, Adrien Henry, Camille Schatz, Yann Meust, Manon Porta, Ibrahim Souleymane Mahmoud, Vicke Prumel, Anaïs Danon, Soumia Boussala et Noureddine Afiouni. Bravo, bravo, bravo. Donc le jury va maintenant se retirer pour pouvoir délibérer. Et puis vous, public, vous avez aussi à voter. Vous avez eu donc des petits papiers qui vous ont été distribués à votre arrivée. Et donc vous retrouvez le nom des 15 candidats dans l'ordre de passage. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de cocher hein, la présentation qui vous a le plus plu. Donc, sachez, n'oubliez pas, je vous rappelle la règle fatidique de MT 180, hein, 180 secondes, pas une de plus. Et donc, vous mettez une petite croix. Vous avez ensuite donc, Isabelle, Jennifer et Virginie qui vont passer aux extrémités des rangées. Donc faites passer vos petits papiers et puis ce sera mis dans une urne qui sera ensuite dépouillée. Je vous invite à regagner les coulisses et puis à faire un petit break et on se revoit tout à l'heure. Pendant la pause, une fois que l'urne sera, on va dire, complète et qu'il y aura le dépouillement, il y aura la DOCS qui fera une petite intervention pour présenter donc, l'association des doctorants. Et donc je pense que Margot et Louis sont là. Donc si vous voulez bien descendre pour qu'on fasse un petit briefing ensemble. Un candidat, votre préféré, ou un seul candidat. Il y a seulement un prix du public.
ça ? Bonsoir, on va vous occuper pendant cette petite pause. Coucou. Alors, on est ici justement pour présenter la DOCS. Alors, je m'appelle Margot Lucas, je suis la présidente de la DOCS justement pour cette année. Et je suis en première année de doctorat au LASI en sciences des matériaux. Bonsoir à tous, moi c'est Louis Hinault, donc moi je suis vice-président de la DOCS. Et aussi en première année de doctorat au LASI. Donc, là, je vais te laisser la parole. Alors, du coup, on va vous présenter ce que c'est la DOCS. Alors, la DOCS, c'est l'association des doctorants et jeunes chercheurs de l'Université de La Rochelle. Alors, je crois que vous avez très bien compris ce que c'est un doctorant. Mais on va vous le redire un petit peu, c'est tout simplement une personne qui va faire des recherches sur une thématique donnée qui peut toucher n'importe quel domaine, comme vous avez pu le constater, comme les mathématiques, l'informatique, mais aussi la biologie, bref, un peu tous les domaines, voilà. Ah, c'est bon.
Donc la DOCS, c'est une association de doctorants, comme vous avez pu comprendre, qui a été créée il y a environ 30 ans. Donc le but de cette association, c'est justement, comme vous avez pu comprendre, il y a vraiment différents labos à La Rochelle, donc 9 labos. Et le but, c'est vraiment de favoriser l'échange entre ces doctorants, parce que, bah, comme vous avez pu comprendre, une thèse, des fois, on peut vraiment rester bloqué sur son sujet et vraiment s'enfermer. Et le but, c'est de vraiment créer des interactions avec les autres, de favoriser ces échanges et de permettre justement de sortir un peu la tête de l'eau. Donc, on va aussi avoir des événements de vulgarisation scientifique qui vous seront présentés juste après. Et bon, voilà. Donc, pour vous présenter un peu ce qu'on a l'habitude de faire à l'année, donc on a d'abord des événements sportifs, donc comme tournoi badminton, tournoi de futsal, laser game. Pour ça, on a des référents sportifs qui sont d'abord ici ce soir. Donc, si vous voulez discuter avec eux, surtout n'hésitez pas. On a aussi des soirées. Donc, justement, quand on a des doctorants qui viennent d'une ville différente, c'est toujours compliqué de rencontrer des gens. Donc, c'est aussi l'intérêt de ces soirées, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont de d'autres labos et qui vous permettent aussi d'avoir un avis extérieur sur son sujet de thèse. Donc on a des soirées, soirée bienvenue, bowling, soirée jeux de société. D'ailleurs, on est vraiment très preneurs de différents types de soirées. Si vous avez une idée en tête, tant que ça favorise, comme j'ai dit, je suis un peu répétitif, mais tant que ça favorise les échanges entre doctorants, c'est vraiment l'intérêt. Et aussi par le sport, bien sûr. Et on a aussi des événements de vulgarisation scientifique. Donc tout d'abord, les apéros savants. D'ailleurs, on souhaite remercier les cabanes urbaines qui nous permettent de mettre en place ces apéros savants, qui sont de la vulgarisation scientifique de thèse, sur un public qui est généralement non averti, donc qui est vraiment à l'extérieur de ce domaine. On a aussi le FFPTS, qui est le festival du film pas trop scientifique, qui vous sera expliqué juste après. Et on a la reprojection des films qui sont présentés justement pendant ce festival à différents endroits. D'ailleurs, les endroits vous seront bientôt communiqués par mail. D'ailleurs, je mets un point sur si jamais vous ne recevez pas les mails de la DOCS, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, ça nous permettra de vous puissiez recevoir les mails, vous puissiez être au courant des différents événements qui vont venir. Et là, je te laisse la parole. Alors, du coup, le festival du film pas très scientifique, il concerne tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. C'est en fait, c'est les doctorants qui vont présenter leur sujet de thèse, justement comme à peu près MT180, sauf sous format film. C'est un film de 6 minutes, hein, c'est pas un film d'une heure et demie, ça va. Et le but, c'est comme l'a dit Louis, c'est de vulgariser et de pouvoir expliquer le sujet de thèse. Alors là, je vais m'adresser aux doctorants. Bonsoir, on cherche du monde pour cette année en tant que, en tant que personnes qui veulent faire un petit film de leur sujet de doctorat. Justement, c'est ça qui est cool. Gros point cool, c'est que c'est justement votre film. On va vous aider, justement, il y aura des formations, des personnes qui vont vous aider à écrire le scénario, d'autres personnes qui vont vous aider à faire le montage. On va vous prêter tout le matériel. Si vous voulez faire, quelque chose avec un fond vert, c'est tout à fait possible. C'est comme vous voulez. En fait, c'est la petite partie créativité où vous pouvez mettre votre doctorat en avant là-dessus. Ce qui est cool aussi, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant pour les personnes non doctorantes, quand on fait un doctorat, on a 6 formations à valider, que ce soit transversal ou scientifique, on en a 6 à valider pour justement valider le doctorat. Et de faire le film, ça en valide une. Du coup, c'est la petite formation un peu plus créative qui fait que justement ça peut être super cool. Et c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous avez vraiment carte blanche sur la créativité et c'est vraiment super sympa. Par exemple, l'année dernière, il y a Caroline qui a fait avec des Legos, qui a présenté son doctorat sous forme avec les Legos et tout ça en mode, comment on appelle ça, je sais plus. Film d'animation, ouais. Du coup. Et aussi, autre petit point qui peut intéresser certains d'entre vous, il y a des prix. Comme pour MT180, exactement. Du coup, c'est un autre petit point sympa. Du coup, si vous avez des questions, si vous voulez le faire, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Le film, il dure 6 minutes. Du coup, nous, on est super motivés à trouver du monde.
parce que c'est vraiment un atout et c'est super cool d'avoir son film sur son sujet de doctorat. Et voilà, c'est quand même T180 quoi, au final, c'est sympa. Alors là, on continue notre petite promo. Comment participer ? Là, on se cloisonne pas uniquement sur tout ce qui est doctorat et tout ça. Non, on prend aussi les jeunes chercheurs, les stagiaires. Si vous voulez venir faire du sport avec nous, il n'y a pas de souci. Franchement, nous, on est motivés. On est là pour vous. On est là pour faire des événements avec vous. Et il faut juste être adhérent. Du coup, c'est au minimum 5 €. Si vous voulez faire don et plus, on ne dit pas non parce qu'on est toujours une association et on galère au niveau sous, mais on est toujours là. L'avantage aussi de participer à des événements qu'on organise, c'est que justement on peut avoir des réductions si on fait des sorties. Par exemple, actuellement, il y a un de nos responsables sport qui a réussi à négocier un petit prix avec les cabanes urbaines pour ceux qui grimpent, ils connaissent. C'est une salle de grimpe qui est juste en face. Voilà. Et du coup, on est toujours motivé pour que ce soit n'importe quelle activité, vous proposer n'importe quoi, même faire des partenariats avec d'autres associations, ou peu importe, on est motivé, on veut vraiment faire en sorte que ça bouge, que faire en sorte justement que tout le monde s'entende bien et qu'on puisse justement communiquer et partager. Voilà. Bon, tout d'abord, merci pour ces quelques minutes d'attention. On souhaite remercier bien sûr l'ensemble de l'organisation, des organisateurs et organisatrices du MT 180 pour nous avoir laissé ces quelques minutes de parole. Si vous souhaitez nous envoyer des mails, j'ai plus le mot. Vous avez l'adresse juste ici, donc adox@unif-6lr.fr. On a aussi un compte Instagram où on republie généralement les différents événements qui ont été faits. Bon, justement, par exemple, hier, on a fait une séance de CrossFit. Donc, on a republié des photos suite à cette séance. Et il y aura aussi plein d'autres événements, comme vous avez pu le comprendre, qui vont être effectués. On a aussi un QR code pour le groupe Facebook où on republie aussi les différents événements et on programme les événements qui vont être à venir. Et bien sûr, on va remettre en place un site où on va avoir un calendrier où tous les événements vont être programmés. Comme ça, si jamais vous voulez participer à un événement, vous avez juste à aller sur le site et vous aurez la date exacte. Voilà, merci à tous. Ah, et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. On est là, on vous attend.
Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, on va rappeler les candidats et puis on va procéder à la remise des prix. Donc, on appelle tout le monde. Donc, Moustapha Diallo, Julie Charrier, Mohamed Sawadogo, Julien Delaunay, Yves Cartaillé, Zinedine Crib, Adrien Henry, Camille Schatz, Yann Meust, Manon Porta, Ibrahim Souleymane Mahamoud, Vicke Prumel, Anaïs Danon, Soumia Boussala et Noureldine Afiouni. Donc bravo pour donc, toute l'énergie que vous avez mise dans vos présentations, puis toute la préparation qu'il y a eu avant. Donc on va commencer par remettre un petit sac avec des surprises pour chacun et chacune. Et puis donc je vais demander aux membres du jury de venir me rejoindre. Ils sont cachés derrière les rideaux. Voilà, et donc on va annoncer les prix, donc en commençant par le prix, les prix du jury, et donc en commençant par la troisième place. Et donc Christine, donc Bastard de la Casdène, va annoncer le troisième prix du jury. Yann. Bah Yann, si tu veux nous dire un petit mot, reste là, reste là. Ben je recommence. Merci beaucoup, c'est super. Donc Philippe Chadéron qui va remettre le deuxième prix, donc financé par l'EDF. Je me souviens, c'est pour Julie le deuxième prix. Félicitations. Et comme j'ai le micro, et comme je vous le donne après, juste le jury souhaite faire un petit message spécifique pour Manon, pour la féliciter pour sa présentation. Je pense qu'on a tous été conquis dans la salle et tous étaient très tristes qu'il y ait ce petit arrêt et ce dépassement des 180 secondes qui, de fait, éliminait Manon. Mais on a cru comprendre qu'elle était en deuxième année. Et donc le message qu'on lui passe tous, et les organisateurs aussi, c'est qu'elle se représente l'année prochaine pour gagner cette magnifique épreuve ce soir. Voilà, à vous Julie. Ben, je veux dire merci à tous mes amis, à tous mes potes, à mes parents évidemment, à Marianne, on la remercie aussi malgré tout, Marie-Jeanne. Et mention spéciale à mon copain qui a dû subir maintes et maintes fois mes répétitions chez nous. Et puis voilà, merci à tous. Donc maintenant, c'est Vincent Bernardo de MGN qui va remettre le premier prix du jury. Ah, donc le premier prix est attribué à Yves. Je suis très ému et un grand merci aux camarades de Chizé qui sont venus en nombre pour nous encourager. Et puis un gros bisou à ma famille, ma mère, ma tante et mon oncle qui me regardent depuis Toulouse. Voilà. Merci beaucoup. Et à mes encadrantes aussi. Merci. Et donc je vais appeler Jean-Marc Augier, donc le président de La Rochelle Université, pour remettre le prix donc du public, excusez-moi. Le prix du public, alors d'abord
je voudrais vous féliciter toutes les uns et tous les unes et les autres pour ces super prestations. On sait que faire une thèse, c'est pas un exercice tranquille, hein, et d'avoir consacré tout ce temps. Je me réjouis aussi d'en revoir qui était aussi au film du festival du film pas trop scientifique, n'est-ce pas, Julie? Il me semble se souvenir d'avoir déjà vu dans cette sphère. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est effectivement Julie qui emporte le prix du public. Bravo, Julie! L'écologie a le vent en poupe, hein. Tiens, viens, on va faire une photo tous les deux. Merci. Félicitations. Tu vas encore un petit peu ? Ben voilà. Ben merci à tout le monde. Du coup, je suis contente que ça vous ait plu. Merci à tous. On a passé un super moment, même si on était un peu stressés et que ça pouvait être éprouvant pour ma part depuis hier. Mais bon, j'ai passé un super moment ce soir, je me suis bien éclatée, donc merci à tous. J'aurais quand même remercié Christian Gouachon qui a joué un rôle important dans tout ce qui avait été présenté ce soir, puisqu'il les accompagne tout au long de leur préparation, et évidemment tous les services à nouveau qui ont aidé à l'organisation, et notamment la communication que j'ai oubliée tout à l'heure. Voilà. Merci Jean-Marc. Donc, chose importante, vous avez vu, donc Julie a reçu et le prix du public et un des prix du jury. Or, ce sont quatre candidats qui partent pour la sélection régionale. Et donc, ils seront accompagnés donc, par Soumia Boussala, donc, qui ne reçoit pas de prix ce soir, mais qui sera le 22 mars à Pau avec nous pour la régionale. Du coup, merci aussi. Et bravo à tous les candidats, c'était un bon moment de passer cette expérience. Et merci à notre super coach, c'est grâce à lui quand même qu'on a fait cette prestation. Merci Soumia. Oui, donc merci à tout le monde, hein. Merci donc à l'école doctorale, à l'Institut Ludy, aux services audiovisuels hein, qui ont permis de réaliser cet événement dans de bonnes conditions, toute l'équipe de la communication, la maison de l'étudiant hein, qui nous a accueillis ce soir, au coach Christian Gouachon. Je sais pas si tu veux dire un petit mot. Allez, pour le plaisir. Non, c'est... 180 secondes. Jean-Marc, tu dors Non, juste pour dire, puis j'aimerais partager toujours, je dirais avec le public, je dirais mon émotion. Non, parce que c'est toujours un moment très très agréable à vivre. Non seulement c'est vrai qu'il y a le travail d'accompagnement autour de l'écriture, autour de la mise en scène, de savoir déjà à qui on a affaire. Donc ça fait partie de la première, je ne vais pas vous donner tous les trucs, parce qu'il y a des coachs dans la salle, donc je fasse gaffe. Mais non, c'est une blague. Et enfin, je ne sais pas. Et en même temps, oui, de savoir à qui j'ai affaire, jusqu'où je peux les accompagner, je peux les amener. Et c'est vrai que c'est vraiment à chaque fois des belles rencontres humaines. Puis c'est vrai que ça, on voyait ça avec Christelle tout à l'heure, ça fait 95, j'ai suivi 95 sujets de thèse malgré moi. Et c'est très, très, très agréable. Et encore une fois, on peut encore les applaudir. C'est parce que, comme dit le président, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la recherche. Et c'est un sacré défi de pouvoir vivre ça. Moi, je suis très fier et très honoré de vivre ça avec vous et d'avoir vécu ça avec vous. Bon, je suis un petit peu triste parce que il y en a plusieurs qui partent, mais j'en garde quatre. Jusqu'où ça va nous mener? Est-ce que ce sera pareil que l'année dernière avec Oscar? Je ne sais pas s'il est toujours là. Et voilà, c'est bien. Oui, il s'agite, donc c'est bien lui. Et voilà, en tout cas, merci à l'organisation et merci de me faire confiance toutes ces années-là. Et j'espère que... Voilà, hein, ce sera ma conclusion. Merci, bonne soirée. Donc je vais finir aussi en remerciant donc, le jury hein, qui a œuvré ce soir, et puis vous aussi, un public. Et donc on vous propose de prendre un petit apéritif à comptoir au tapas, et donc de se réunir là-bas, de pouvoir discuter, échanger, et puis voilà, finir la soirée dans de bonnes conditions. À tout à l'heure.